Bonjour, je suis Adeline Baillet, conseillère en fleurs de Bac. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire votre propre flacon personnalisé sans alcool. Voici comment on va procéder. Pour faire votre flacon personnalisé, vous allez avoir besoin de votre flacon pipette de 30 ml, des fleurs que vous avez sélectionnées, d'eau de source et d'une bouilloire. Vous allez faire chauffer l'eau à 70 degrés environ. Donc, quand l'eau est chaude, vous allez remplir votre flacon. Attention de ne pas le toucher, c'est super chaud. Donc voilà, ne vous prenez pas tout de suite dans la main, sinon vous allez vous brûler. Et du coup, je vais rajouter 2 gouttes de chacune des fleurs. Si vous avez rescue dans votre flacon, vous rappelez, rescue, ce ne sera pas 2 gouttes, mais 4. Donc là, j'ai une préparation de flacon, mais il n'y a pas rescue dedans. Donc je mets 2 gouttes de chacune des fleurs. Et comme l'eau est chaude, l'alcool en fait contenu dans le flacon mère va s'évaporer. Donc je vais laisser ouvert un petit peu le flacon déjà pour qu'il refroidisse, mais aussi également pour laisser évaporer l'alcool. Je peux mélanger doucement. Faites bien attention hein, parce que là c'est vraiment chaud. Donc je laisse ouvert, je laisse refroidir et après vous aurez votre préparation prête et sans alcool. Et voilà, vous avez vu, c'était simple et rapide. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur les fleurs de Bac. À bientôt.